retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un unboxing avec la boutique Colorful DIY. Alors, aujourd'hui, avec la boutique Colorful DIY, je vais vous présenter deux DP, une broderie et un accessoire de broderie. Voilà, de broderie. Ça y est, vous voyez, je voulais faire ça bien. Je me suis dit dès le début, ça va être coulant comme ça, je ne vais pas me tromper, je ne vais pas bégayer, je ne vais pas bailler, je vais... Bah si, ça y est, c'est raté. Et un accessoire de diamond painting, voilà. je vais commencer tout de suite par l'accessoire. Il est pour chouchou, voilà. C'est un rouleau, voilà, comme ça. Alors, il est en silicone, vous voyez, il est transparent, hop. Bon, ah ben chouchou il va dire non hein. Alors je vous explique pourquoi je rigole comme une folle. Chouchou il a le noir et rouge, vous savez le rond là est rouge et tout le manche est noir en plastique, mais il s'en sert tellement que ça commence à la queen. Donc j'avais dit je vais t'en prendre un autre, et donc j'ai vu celui-là là comme ça, ça va dans ce sens là ça va. Ah bah là aussi bon. Ça cuine un peu, bon, on verra bien, ça cuine un petit peu, on verra. Je vois pas d'où ça cuine d'ailleurs puisque c'est du silicone. Oui, là-dessus, je peux pas. Ça cuine pas, hein? Non, ça cuine pas. Bon, je suis énervée hein, aujourd'hui. Alors, ce petit rouleau pour DP. Alors, ceux qui me demandent à quoi ça sert, c'est vrai que je vais avoir des questions, je me doute. Vous faites votre DP, vous mettez toutes vos petites perles, et quand vous avez fini de mettre vos perles, ou quand vous avez fini de faire une case, un carré, une partie, hop, vous roulez, pour bien aplatir vos perles, enfin qu'elles tiennent, qu'elles collent bien et qu'elles soient bien toutes à la même hauteur, voilà. Donc vous passez dessus, voilà. Et là, elles ne cuisent pas. Ouais, c'est peut-être parce que c'était neuf, regardez. Non, elles ne cuisent plus. Donc, rouleau DP en silicone, 4,99$. Voilà. On va se mettre face bureau. Et ben, comme on est dans le DP, on va continuer avec le DP. Et on terminera avec la broderie. Le premier DP. 23 couleurs. Un petit toolkit, comme d'habitude. Là, il y a des petits sachets dedans en plus. On a les perles rondes en... Oui, je ne présente que des perles rondes, hein, si jamais vous posez la question. C'est très, 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 très rare qu'il y a du DP en perles carrées. Quand il y en a, c'est parce que je prends du DP mystère, par exemple. Mais c'est vraiment très, très rare qu'il y a des perles carrées. On n'aime pas ça. Alors, je vous montre les couleurs. Voilà. Et on va zoomer parce que sinon ça va flouter. Voilà. Des belles couleurs. Des perles très propres. Hein, pas de poussière, pas de casse. Hein. J'ai pu remarquer au cours des années, puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on fait du DP. Oh, elle est belle celle-là. Que niveau perles, ça s'est grandement amélioré, vraiment beaucoup, beaucoup, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début que le Diamond Painting est sorti, on avait beaucoup de perles cassées, des poussières de perles dans les sachets, voilà. Mais maintenant, se sont vraiment beaucoup, beaucoup améliorés de ce côté-là.
Voilà. Hop. Bon, je sais, je fais du bruit. J'essaye d'arrêter de faire du bruit. Voilà. Pardon. Et alors, 23 couleurs, 1, 30, 40. Je vous dézoome pour découvrir un chat. Un petit chat tout mignon. Voilà. Donc, c'est un chat coloré, hein, multicolore. Alors, pas confetti. Non, ça va. Il va y avoir des petites perles là. Voyez. Là, vous voyez ça. Un peu, une de temps en temps, un peu partout. D'ailleurs, c'est quelle couleur ça? C'est le 6. Ah, ça va être celui-là. Voilà. Non, très joli. Bon, là, vous... ah si, vous avez l'image dessus. Mais vous la verrez pas bien. De toute façon, je vous remets les photos. Vous avez la référence du kit, si vous le voulez, mais vous avez la référence également, voyez, sur les sachets de perles, pour celles qui rangent leurs perles et leurs DP à part. Voilà. Niveau impression, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Alors, c'est des impressions avec des ronds. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Nous, ça ne dérange pas. Ah bah oui, je disais, mince, ça colle pas. Bah oui, il y a le plastique dessus. Ah, je dis, voilà. Et niveau colle, ça colle bien. Ah, Gaston Lagaffe est de retour. Gaston Lagaffe, c'est moi. Hop, voilà. Alors, ce petit chat. Alors, eux, ils disent le chat bleu. Est à 4,99 $. Dernier article que je vous présente, donc toujours un DP, petit toolkit, des perles rondes en sachet chapelet, voilà. Donc, perles rondes, bien sûr. Et là, les sachets là, elles sont par couleur, voilà. Donc, on va découvrir les couleurs. Ah, là, il y a un sachet vide. Donc, j'espère... Alors, ça, j'aime pas quand je vois ça. J'ai toujours peur qu'il manque des perles. Alors là, super. Le numéro... Ben... à deviner. On sortira. Nous, on fait toujours une récap avant de commencer un DP. Ah, vous voyez, ça, ce que je disais l'autre jour, ça s'efface quand c'est écrit en noir comme ça. Voilà. Oups, ça tombe. Allez, ah. Vous voyez, regardez là, on le voit bien. Comment ça s'efface? Cela, on n'aime pas beaucoup. Et pour terminer, ta-da-dam,
celui-ci. Voilà. Bon, je vais les mettre sur le côté. Je les rangerai bien après. Alors, tout ceci pour faire... Tadadam ! Voilà. Un tigre. Voilà. Un tigre avec le feu autour de lui. Voilà. Alors, niveau impression, bah écoutez, ça va, hein. Il n'est pas trop con, il n'est pas confetti du tout. Là, sa tête, vous voyez. Il n'est pas du tout confetti, il est beau. Avec son halo de feu autour de lui. Ça va bien le faire ressortir. Vous voyez, alors j'essaie de vous montrer. Mais je vous montrerai une photo, hein, ce sera mieux. Donc, il y a 23 couleurs. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc, c'est un 40-30. Voilà. Et vous avez la référence du DP ici en haut pour vos perles. Alors, ce petit tigre tout mignon, il est à 4,99 $. Alors, vous savez quoi, j'étais en train de tout ranger. J'allais vous faire le bisou. Je fais, ben non, il reste une broderie. Oh là là, je vous jure. Alors, un peu de printemps dans cet hiver froid. donc, c'est les fleurs de printemps. 14 CT, 35, 47 cm. Pseudo Joy Sunday. C'est de l'estamper et on va essayer de tout sortir si ça veut bien. Voilà. Ah mais alors, oula, il y a beaucoup de couleurs. Eh ben, j'aurais pas cru. Alors, le patron est en 6 morceaux, en 6 pages. Et il y a 52 couleurs. Eh bien, écoutez, je n'aurais pas cru. Quand on regarde l'image comme ça, on ne dirait pas qu'il y a 52 couleurs dedans. Donc, le patron, c'est du Dieu Sandé. Donc, il n'y a rien à dire. C'est toujours nickel. Voilà. Alors, les couleurs, on va se les montrer après. Et on se montre la toile. Voilà. Très joli. Oui, est-ce qu'on dirait qu'il y a 52 couleurs dans... Oh là, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ah, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi elle floute, elle? Ah, non mais, c'est nouveau, ça, c'est rien de sortir. Regardez, on dirait pas qu'il y a 52 couleurs, hein. Mais il y en a. Il y a 52 couleurs, je confirme. Du bloc. Bloc, 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 bloc. Voilà. Il y a des petits endroits où il y a... Mais c'est, vous voyez, 1/2. Non, c'est du bloc. Donc, c'est encore une broderie assez... qui va être assez agréable à faire. Voilà. Ici, on a le gros bourdon, la grosse abeille. Alors, ici, là... On a la coccinelle et puis toutes les fleurs. Voilà. Donc, ça va être très joli également. Très, très beau. Alors, un petit conseil. Je donnerai peut-être le conseil en vidéo. Mais c'est en voyant la broderie que j'y pense. Vous voyez, vous avez une bordure là. Tout du long, ça va être la même couleur. Des fois, c'est même des fois des gros blocs que vous avez toujours de la même couleur. J'ai déjà pu remarquer que plusieurs dans les youtubeuses ou même les brodeuses qui n'ont pas de chaîne disent qu'elles voient des fois des traits dans un sens ou dans l'autre quand elles brodent une couleur unie. Alors, un petit conseil. Brodez déjà toujours dans le même sens. Voilà. Si vous avez commencé comme ça, ben, continuez comme ça toutes vos lignes. Quand c'est la même couleur, hein, je vous parle.
brodez toujours dans le même sens. Et quand vous devez, vous vous dites, bon, là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple, 6 carrés. Vous allez faire la première ligne, vous allez vous arrêter au carré. Vous allez faire la deuxième ligne, ne vous arrêtez pas à la même hauteur. Faites une croix en plus. Troisième ligne, vous arrêtez à la ligne du carré. Alors, attendez, je vais peut-être m'avancer. Voilà. Vous allez broder. Alors, la première ligne, bon, je ne vais pas ici loin, mais vous vous arrêtez au trait. Vous allez faire votre deuxième ligne. Vous n'arrêtez pas au trait. Vous faites une croix en plus. Troisième ligne, vous allez vous arrêter au trait. Quatrième ligne, vous allez faire une croix en plus, etc. Ce qui fait que vous allez avoir une croix. Comment je vais dire mince. Alors, vous allez avoir, hop, voilà, vous allez avoir un décalage comme ça. Voilà, vous voyez, ça va vous faire un décalage comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il m'énerve mon téléphone. Voilà. Vous allez avoir une ligne sur deux que ce sera dans cette colonne-là. Et une ligne sur deux que ce sera une croix plus loin. Ce qui fait que quand vous allez reprendre, là vous allez reprendre, là vous allez reprendre, là aussi, il n'y aura pas une ligne qui va se marquer comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Il faut toujours, quand vous faites des grosses surfaces, toujours décaler. Voilà. Il faut que vos croix, ça fasse ça, si vous voulez. Hop, ça fasse un zigzag. Voilà, vous voyez, 1, 2, 1, 2, etc. Et comme ça, vous n'allez pas avoir de ligne de marquage quand vous allez broder. Voilà, et ça floute encore. Mais si vous voulez, j'essaierai de faire une mini vidéo ou un mini short pour expliquer, mais voilà. Mais au moins, vous n'aurez plus vos lignes. Oh ben mince, je vois des lignes, c'est pas dans le même sens. Déjà, il faut broder toujours, toujours, toujours dans le même sens. Si vous avez commencé vertical, vous faites toujours vertical. Si vous avez commencé horizontal, vous faites toujours horizontal. Parce qu'il y aura un changement de torsion de votre fil. Et c'est ça qui fait des marques sur votre broderie. Voilà. Bon. Sinon, bah écoutez, elle est bien. Hein, voilà. Non, elle est top top. Alors, les fils. Donc là, je vous ai dit, on en a beaucoup. Ah, du coup, ils ont... J'aime quand ils agrafent les plaquettes. Donc, on a toujours nos deux aiguilles, hein, comme d'habitude. Et voilà les couleurs. Oui, elles sont belles. De l'autre côté. Et la deuxième plaquette. Voilà. De jolies couleurs. Voilà. Alors, pour cette petite broderie printanière, elle est à 8,99 $. Voilà. Bah, écoutez, moi, je remercie beaucoup la boutique Colorful DIY de m'avoir laissé choisir des articles. Je ramasse ce qui est tombé. Et moi, j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous plaît. Vous retrouverez en barre d'infos les liens des articles, liens de la boutique. Si j'ai un code promo, je ne suis pas sûre, je vous le mettrai également. Voilà.
Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends tous vos commentaires, tous vos petits pouces également. Voilà. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.